Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais un petit suivi sur la menthe religieuse. Donc je vais vous mettre pas mal de plans quand je l'ai nourri, des gros plans que j'ai fait. Et puis vous montrer un peu le terrarium en fait où je l'ai installé. Alors depuis que je l'ai eu, elle m'a fait quand même 3-4 mues. Je vous en montrerai une en gros plan, donc je ne savais même pas que les menthes religieuses muaient. Donc pour le terrarium, j'ai mis dans un 20-20 sur 42 hauteur. Non, 20-20-30, pardon, j'ai dit bêtise. Donc largement suffisant et vous voyez, elle passe 90% de son temps en hauteur en fait. Alors pourquoi, j'en sais rien. Elle est toujours à l'envers sur cette partie-là ou accrochée sur le poteau ou sur les branches, la branche centrale. Elle est rarement au sol, donc je pense que c'est plus le fait de pouvoir se défendre en fait, comme je laisse quand même. Alors, j'ai un petit couvercle où je mets de l'eau et un petit où je mets quelques verres de farine. Je sais qu'il ne faut pas leur donner de grillons. J'ai fait l'erreur le premier coup, j'en ai donné. Bon, bah, ça ne porte pas plus mal que ça. Je pense que dans la nature, chez nous, elle ne fait pas le tri entre grillons, vers de farine, mouches, moustiques et autres insectes. Donc si quelqu'un peut m'expliquer vraiment en commentaire pourquoi, parce que je sais qu'on m'a dit qu'il y avait une toxine, quelque chose comme ça, mais. Ça m'explique pas vraiment en fait pourquoi elle pourrait pas manger des grillons. Donc comme vous pouvez voir, bah, elle se porte très bien. Je sais que ça vit pas très longtemps. Mais il y en a certains qui m'ont demandé un suivi. Donc voilà, je vous fais un petit suivi rapide. Je vous ferai un petit suivi rapide aussi sur les fourmis. Alors c'est des vidéos, voilà, je vais pas me filmer moi directement. Je vous filme simplement en fait bah, le terrarium ou ce que je suis en train de vous présenter, puisque voilà, il n'y a pas raison forcément que vous voyez ma tête. Le plus important, c'est de voir en fait ce que je vous présente. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Je vous mets quelques séquences de nourrissage que j'ai eu et je vais vous montrer aussi la mue. Alors, au niveau du comportement, c'est super sympa. J'aime bien, c'est que c'est assez cool. Elle a vachement grossi depuis que je l'ai eu. Et c'est quand même vraiment impressionnant à voir manger. Donc ça, je le conseille à beaucoup de personnes. S'ils veulent essayer de maintenir un insecte, c'est assez cool. Au niveau du terrarium, on fait un peu ce qu'on veut. Bon, moi, j'ai mis quelques branches, quelques poteaux. Ça tient bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, tout se passe bien pour elle. Vous voyez, le terrarium, c'est un petit exotera de ouais, 20-20-30. Largement suffisant, hein, on aurait la moitié, ce serait largement suffisant aussi. Une boîte en plastique peut faire l'affaire. Moi, j'ai mis là-dedans car j'ai ce terrarium qui est toujours prêt au cas où j'ai un insecte, quelque chose à mettre à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, que ce petit suivi vous plaira. C'est quelque chose d'assez rapide, je ne vais pas faire quelque chose de très très long. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!